décision difficile. Salut tout le monde, bienvenue à Hop City Chess. Aujourd'hui, finalement, je vais vous... J'ai choisi une partie que je vais regarder avec vous, une partie du tournoi que j'ai joué au Maritime Open Halifax. Alors, préparez-vous, ça s'en vient. Peut-être que tu pourrais jouer... Peut-être que tu pourrais abandonner. Bon, ici, c'était la cinquième partie. Puis j'ai joué du Maritime Open Halifax 2018. Puis j'ai joué contre Eric Newman de Nouvelle-Écosse. Puis Eric Newman avait vraiment un tournoi assez extraordinaire. C'est un joueur de 1650 peut-être. Puis il avait battu un 2070, je pense, ou 2050. Il avait battu un 1800 quelque chose. Puis son tournoi allait très bien, puis là, il m'affrontait moi. Après la partie, j'étais curieux de voir comme quelle était sa meilleure cote à vie. Puis en effet, Eric Newman, de temps en temps, il monte jusqu'à 1850, quelque chose de même, puis là, il descend à nouveau. Alors, son niveau va un peu, ça va en vague, disons, là, de haut en bas. Mais là, je pense qu'il est en train d'aller vers le haut. Ça fait que c'est un adversaire que je savais qu'il était dangereux parce que je l'avais vu jouer contre d'autres joueurs, là, comme Fred McKim, puis ça. Ça fait qu'il y avait les blancs. J'ai joué la carocane. Puis ici, OK, ça c'est tout normal pour les joueurs de carocane. Carocane, c'est que tu désires... C'est un petit peu comme la française. Pas vraiment la fin du camp, mais l'idée est de prendre le centre plutôt au... pas au premier coup, mais au deuxième coup. Puis... de l'attaquer après. Mais ce qui se passe, c'est que le fou, ici, se libère un peu plus rapidement. Là, je dis ça, puis là, je vais mettre mon cavalier devant. Mais c'est une des variantes. Karpov a été un des joueurs qui a popularisé la variante cavalier D7. Par le passé, j'ai souvent joué fou F5, avec des bons résultats aussi. Mais j'ai commencé à jouer cavalier D7. Il a joué fou C4, qui est une variante assez... un petit peu plus agressif, puis surtout quand tu poursuis avec cavalier G5. Alors tout de suite, là, les noirs, les blancs menacent les noirs directement avec, bien sûr, fou, capture, pion F7, le fou capture F7, échec et mat. Donc j'ai protégé avec mon pion E6. Habituellement, j'ai vu souvent jouer dame E2 ici, là. Ça, c'est un coup qui se joue. Mais mon adversaire joue cavalier F3. Puis j'ai pas. Je pensais que c'était juste comme un coup de développement, disons, normal, un peu, là. Ça fait. Je sais aussi que souvent, les blancs, comme une des fameuses parties que Kasparov a joué contre l'ordinateur, là, je me souviens plus trop quelle année. Mais c'est contre Deep Blue, puis ça avait fait massacrer avec les Noirs. Puis le fameux coup H6, là, il faut que tu y fasses attention, parce que ça, si tu joues trop vite, tu peux te faire attaquer, même capturer ici, puis beaucoup de menaces. Mais ici, il semblerait que H6 aurait été le coup. Le cavalier aurait reculé, puis G5. Mais... j'ai pas vu ça. Puis, tu H6 et même cavalier capture ou dame, je sais pas. Même tout de suite, H6 aurait été une option. Ben, aurait été l'option vraiment selon l'ordinateur. Mais pratiquement, qu'est-ce que c'est que ça aurait donné, disons? C'est sûr qu'il ne peut pas vraiment prendre là pour l'instant, là. Et puis la dame va là. Non. H6 aurait été, en effet, le coup.
Donc, moi, j'ai juste pensé, non, je vais juste continuer comme que je continuerai dans d'autres variantes. J'ai joué cavalier B6. Attaquer fou. Fou B3. OK. Fou D6. Étant donné que le fou n'a pas été à F4, moi, je vais aller... Puis que le cavalier à G4, il n'a pas... Tu sais, il va pas me clouer le cavalier, donc je peux jouer mon fou à D6. Dame D3, OK. Là... Dame D3, j'ai pensé jouer mon cavalier à nouveau pour le placer sur une case intéressante. J'aurais probablement pu roquer aussi. C3. Peut-être C4 aurait été plus agressif pour mon adversaire. H6 finalement. Et cavalier E4. Et si j'ai fait une manœuvre. Ben, une manœuvre. Cavalier A4, c'est que là, je peux échanger. OK. Je pense que ça, j'ai fait. Oui, échanger. Capture avec la dame. Et place mon cavalier là. Attaque la dame. Donc, gagne un coup comme. Puis la dame recule de nouveau. Et là, je savais que mon fou à C8 n'est pas vraiment heureux. Alors, il faut vraiment s'organiser pour rendre aux échecs, à l'ouverture particulière, mais n'importe quand, ses pièces. Et quand je dis ses pièces, c'est toutes les pièces, la plupart, heureuses. Alors, c'est vrai aussi que ma tour ici a de la misère. J'ai joué B6 pour sortir le fou. C'est ça, sur la diagonale. Et là, il a fait le grand roc. J'aurais probablement dû accepter le défi de faire le petit roc ici, mais au lieu j'ai été directement avec A5 pour essayer de provoquer mon adversaire sur l'aile dame. OK. Là, lui continue à se développer. Pas certain que c'était la meilleure tour à porter ici. Je me demande s'il n'aurait pas dû jouer la tour là, finalement, ou à la place, parce qu'en jouant cette tour-ci, on voit que la tour là ne peut plus bouger. Ouais. Et là, j'ai joué ma dame à D7. Probablement qu'ici, le roc aurait été encore une fois plus intéressant, mais... J'étais vraiment réticent à rocker ce bord-là. Je savais que je ne pouvais pas faire le grand rock non plus, mais si je pense à mes pièces, cette pièce-ci est triste. J'aurais probablement dû rocker. J'ai joué Dame D7. OK. H3. H4. Je me demande Dame D7. C'est que je... Ah oui. Il y avait des menaces. Et que tour, là, il y avait des belles menaces de capturer ce pion-ci avec le fou, probablement, ou même la tour. Puis là, si je prends les fers échecs... Il y avait des choses que j'aimais pas beaucoup. Je suis pas certain si j'avais vraiment besoin d'avoir peur ici. Mais c'est pour ça que j'ai joué Dame D7. C'est pour protéger le tout ici un peu. Et là, A4, je continue ma poussée sur le bord dame. J'avais des idées d'essayer A3... Et là, je voyais aussi que la dame commençait à avoir de moins en moins de cases à jouer. Fait que là, j'ai joué fou A6. C4. Qui est bien. Parce qu'ici, si vous regardez bien, si l'adversaire avait joué là, regardez ça ici. J'aurais aimé ça. Mon cavalier aurait été bien placé. Il peut jouer là.
Donc, c'est ça qui était mon intention. Alors, il a joué C4. Ici, je pourrais quand, j'aurais quand même pu jouer cavalier D5. Je ne vais pas prendre mon cavalier, mais qu'est-ce que ça me donnait finalement? Cavalier est bien placé. Supposons qu'il enlève la dame. Mais j'ai d'autres choses à faire, que m'amuser trop ici, là. Je trouvais que le forcer à pousser un peu, à pousser le pion, rendait ce pion ici peut-être un petit peu plus faible qu'avant. Et là, j'ai joué B5. OK. Comme c'est bon, là. Ben, c'est bon. C'est intéressant. Mais encore une fois, je me demande si j'aurais pas dû essayer de roquer pour apporter ma tour en jeu. B5, cavalier, E5, capture, bien sûr. Je ne pouvais pas permettre de laisser ce cavalier-là. Capture, capture, dame, là, et là. OK. Alors là, ça commence à être pas mal flyé, là. Cavalier D7. Il attaque mon pion C6. Je protège mon pion C6. Et il joue F4. Et ici, probablement, absolument... Roi E8. Jouerai à E7. Pour jouer ma tour à D8, la faire jouer. La tour ne joue pas du tout. Okay. Très important d'apporter ces pièces dans le jeu. Ici, j'étais concentré sur complètement quelque chose d'autre. Je n'ai pas vraiment pensé à ce coup-là. Je pensais qu'il y avait trop d'activité. Ben, pas trop d'activité, mais je pensais qu'il y avait des choses intéressantes sur ce bord-là. Ici, je m'aperçois, OK, j'ai doublé les pions. Ben, j'avais un pion. J'ai doublé mes pions, mais j'avais un pion de plus. OK, l'adversaire a placé son fou. Je joue mon cavalier. Bien sûr, mon cavalier pouvait aller là. C'était ça l'idée aussi. Ici. Parce que qui prenait, je savais j'allais jouer mon cavalier là à un moment donné. Protège sa paire de fous. Attaque mon pion à 4. OK. Je me sers de mon fou comme un pion quasiment. Mais. Ouais. Mon cavalier est fort, par exemple. Mais là, mon cavalier, il faut qu'il fasse de quoi. Fait que là, j'ai joué mon cavalier là, bien sûr. Avoir un pion passé. Ouf, c'était assez compliqué. Je ne peux pas dire que j'ai tout calculé. Tout ça, je calculais du mieux que je pouvais. J'avais vu la position. Ceci, j'ai vu ça. J'ai poussé. Et il a joué là, j'ai poussé. Ce coup-là, m'a fait un peu mal. Donc là, ici, j'ai joué le roi. Puis il a joué sa tour, qui était beau coup assez. Là. J'avais pas vu ce coup-là. Puis je m'aperçus que... OK, ce coup-là est intéressant, oui. Parce que si je prends ici, je faisais simplement échec. Et je perdais ma tour. Moi, je faisais mettre échec et mat. Alors, ouais. J'avais vu ça, par exemple. Ça fait que là, j'ai repris le pion comme ça. Il a fait échec quand même. J'ai joué là. Il a pris le pion. Puis ici, j'ai redonné mon pion de cette façon-ci. Ouais. Et là, c'est pas terminé. Si tu regardes, qu'est-ce qui se passe, c'est que les Noirs ont un pion vraiment avancé, protégé. Les fous sont de couleur opposée, donc le fou blanc ne pourra pas attaquer le pion qui a D3.
Fait qu'il me reste juste à faire attention à mon roi, puis infiltrer mes tours sur une colonne ouverte. Alors là, j'ai changé parce que je savais que je pouvais aller à 8. Et la fin, la fin, c'est la fin là. J'ai fait un coup que j'ai aimé. Rendu ici, j'ai commencé à prendre mon temps un peu plus vraiment. Le fou des 5 était une bonne manœuvre. Il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas tout à fait prendre F7. Ça a été compliqué pareil. Fait qu'il est revenu. J'ai pris. J'ai revenu. Et la partie s'est continuée ainsi. Puis là, ça s'en a été d'une finale avec une pièce de plus. Puis un pion. Une pièce et un pion de plus. C'était une grosse partie. Un bon joueur. Je suis quand même satisfait. Je suis content d'avoir vu ceci, mais je dois dire que j'ai joué une partie. Ok, c'était une partie un peu plus rapide sur l'internet dernièrement. Puis j'ai joué à Schiste, puis l'adversaire a, je pense, a capturé ou quelque chose comme ça. Puis c'est pas si facile que ça. Excusez, c'est pas si facile que ça à gagner malgré tout là. Mais sur une partie plus lente, probablement que j'aurais vu les meilleurs coups. Donc, si capture, j'aurais pu m'en sortir, je pense. Mais je suis content d'avoir vu cette variante-là. Une des choses que j'ai à comprendre ici, c'est qu'à un moment donné, j'aurais absolument dû jouer mon roi E7 pour sortir ma tour. Donc, rendre mes pièces les plus heureuses possibles. C'est ce que c'était pour aujourd'hui. Merci à tous.